Bon, sinon, une petite réaction à la bonne surprise de ce matin. Oui, on est évidemment satisfait de ce qui se passe. Bon, ça fait toujours con de dire, là, on monte dans les sondages, on est content. Mais oui, on est content, mais c'est surtout que ça nous donne confiance pour la suite. Et puis, ça nous fait dire, ça confirme d'abord les réactions qu'on a dans la rue. Hein. Il y a une grosse sympathie pour ce qu'on fait, il y a de l'espoir et puis il y a une grosse motivation parce que pour la première fois, finalement, on est sur une candidature d'un camp social contre notre camp social. Quoi. C'est pas juste la question gauche-droite, c'est la question de répondre à une colère qui existe, à un ras-le-bol, au climat de manif, au climat de colère et d'envie que la société change. Et on est là-dedans. Et donc les sondages, eh bien, ils semblent concrétiser ça. Et c'est vrai que du coup, on se sent conforté dans l'idée qu'on peut être au second tour et donc dans l'idée qu'on pourrait avoir pour la première fois à Bordeaux des militants, des gens d'une liste qui justement se revendique de l'anticapitalisme et qui dit qu'il faut que ça change, qu'il faut qu'on pense à la population, aux pauvres et qu'à un moment donné, on reprenne aux riches ce qu'ils ont entre les mains depuis trop longtemps. Donc là, il y a quelque chose qui se joue de ce côté-là. Donc évidemment que nous, on va à fond et au fond, et il faut absolument qu'on arrive à ça, qu'on ait des copains, des copines qui soient élus. Et après, ce qu'on avait commencé à discuter, mais c'est que là, on va commencer à l'envisager fortement, c'est qu'en fait, il va falloir qu'on mette en place un outil qui permette de faire le lien entre des élus comme nous et la population, avec les associations, les syndicats. Voilà, c'est tout ça. Alors évidemment, on n'est pas encore là, mais c'est important de commencer à discuter de ça, de voir comment ça pourrait s'organiser, comment finalement une liste qui se revendique de la lutte contre tout ce qui se passe, les inégalités, les difficultés de se loger, de se soigner, enfin tout ça, comment finalement ça peut devenir crédible qu'il y ait des élus qui représentent ce programme-là, et derrière, comment on construit ça, parce qu'on sait que c'est pas juste des promesses, c'est pas juste dire qu'il faut ça pour qu'on y arrive, c'est comment. Et donc tout ça, la campagne va nous permettre aussi de le discuter.